Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé donc de vous présenter un point à jury très un très joli point à jury donc que j'utilise donc pour la réalisation de mon prochain gilet large. C'est un point à jury très magnifique, très joli. Un point très simple. Donc là nous avons donc l'intérieur et ici nous avons l'extérieur. Alors donc pour réaliser ce point c'est très simple, c'est un point ajouré avec un nombre de mailles multiples de 6 plus 4 mailles plus 2 mailles lisières de chaque côté. Donc pour l'exemple je vais monter, alors donc pour l'exemple j'ai monté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles, je fais, donc j'ai une maille lisière de chaque côté, j'ai 2 mailles. Et puis j'ai le maille pour le point à jury. Alors pour la première rangée, je fais tricote toutes les mailles à l'endroit. Je fais toutes les 21 mailles à l'endroit. Alors, la deuxième rangée, je fais une maille lisière, je fais 2 mailles à l'endroit. Donc, à partir de là, je vais commencer donc à former petit bourgeon ici. Donc, 2 mailles à l'endroit, je fais une maille, je tire largement la boucle, 1, 2, voyez la différence entre les deux, fait trois, quatre, cinq et six. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles larges. Je fais 3 mailles à l'endroit simplement. Je refais de nouveau 6 longues boucles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et je termine donc la séquence, la rangée par 2 mailles à l'endroit plus la maille lisière. La troisième rangée, je vais faire à maille lisière. Je fais 2 mailles à l'endroit. Non, je prends les 6 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensemble, je fais une boucle. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc la sixième c'est un jeté et je laisse retomber les 6 grosses boules. Je fais
trois mailles à l'endroit. Je reprends les six boucles ensemble. Je refais la même chose en une, deux, trois, quatre. Cinq, et la sixième injectée, et je laisse tomber le groupe de 6, et je termine par une, deux mailles à l'endroit et la maille lisière. Je fais cette fois-ci 6. Tricote toutes les mailles à l'envers. Les 6 boucles, je vais les tricoter à l'envers. J'ai 3 mailles. Je tricote tout. À l'envers, j'ai tout mon travail. Je repars à l'endroit sur toute la rangée. Et lorsque donc je recommence, cette fois-ci je fais une maille lisière, je fais une, deux, trois, quatre, cinq, six, et 7. D'accord, 7 mailles à l'endroit. Je fais une boucle, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je termine par 1, 2, 3, 4, 5 et 6 bouts, 6 mailles à l'endroit et la maille lisière. J'ai tout mon travail. Je fais 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je refais donc la même chose, 3 boucles, 6 boucles ensemble. Je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le jeté et je laisse tomber. Donc, et je termine par 7 mailles à l'endroit plus la maille lisière. Et là, je repars donc de la même manière. Je tricote toutes les mailles à l'envers.
toutes les mailles à l'envers et je repars à l'endroit sur toutes les mailles. Donc, pour faire simple, le point se travaille lorsque nous sommes à l'envers du travail, pas sur l'endroit. Et voilà. D'accord? Et lorsqu'on va retourner le travail, comme ceci, on refait la première rangée qu'on a fait ça, et la deuxième, et ainsi de suite. Et à la fin, on va avoir un joli point, ceci. Alors, je vous souhaite donc une très bonne journée à toutes et je vous dis à bientôt pour donc, la suite de notre travail.